Du lac Brome au lac Louise, 2021. Je partis à la découverte des montagnes rocheuses du Canada, en voiture pour la première fois de ma vie. Ce fut une belle aventure, ponctuée de péripéties tout aussi palpitantes les unes que les autres. Alors, le départ, jeudi matin, vers le plus beau voyage en road trip de ma vie. L'arrivée se fait aujourd'hui. 3 jours plus tard, samedi matin, vers 11h. Le jeu en vaut la chandelle, en diamant, car ça leur a pris un trio d'acolytes capables d'endurer un certain niveau élevé de misère humaine. Le centre du Canada n'est pas du tout beau, mais en même temps, il est magnifique. On dirait même que je ressentais un choc culturel lorsque j'y étais présent. J'observe des espèces fauniques que je n'ai jamais vues auparavant. Je constate que des puits de forage pétrolier et des usines de transformation de la matière énergétique sont présents en abondance puisqu'ils sont le moteur économique de la région. Et je les comprends. La population uniquement anglophone se contrefout totalement de mon accent subtilement teinté et issu d'un latin montréalais. Me faire servir avec un sourire au Tim Hortons peu avant Thunder Bay et ailleurs dans le bastion de l'Empire britannique relève de l'impossible. Pour environ 30 conversations brèves ou moins brèves, j'ai eu depuis ma sortie du Québec, j'ai entendu un seul mot français. Qui oserait croire que je n'aurais pas entendu un seul mot de ma langue maternelle? Bon, le seul mot que j'aurais pu entendre, c'est en provenance d'un jeune commis du Ultramar d'origine pakistanaise de la station-service de Brandon au Manitoba, qui a conclu avec un merci lorsque j'ai fini de payer et qui venait du fond de son cœur. En rien, ce vaste territoire du centre-nord de l'Amérique me fait penser à tout ce dont je sais de la belle province. Le seul État français indépendant de Paris survit en se tuant à petit feu, en se délassant au quotidien de sauver l'honneur de la patrie des Français d'Amérique. J'ai tellement honte de m'imprégner l'âme de cette terre canadienne de l'Ouest. C'est plus fort que moi et c'est plus fort que pour eux aussi. J'ai tellement de temps devant moi. Finalement, à force d'accumuler les indices qui me font comprendre une mission impossible, je me console en me disant que nous serons bientôt juxtaposés à une chaîne de montagnes parmi les plus hautes de l'univers. Je crois peut-être en Dieu aussi fort que je croyais aux rocheuses, même si je ne les avais jamais vues de mes propres yeux. Elles ne pourraient pas être plus déesses que ce que mes yeux observent. Admirant tout ces majestueuses montagnes, depuis ayant dépassé la très élégante ville métropolitaine de Calgary, je me déclare qu'elle est encore plus belle que Montréal ou Québec. C'est la consternation pour tous les acteurs, dont moi qui se demande, mais comment ils font pour construire un centre de ski sur ces montagnes de roches? Sur des montagnes tout en rocher. Le choc culturel se poursuit et j'émets l'hypothèse à mes deux compagnons de route que les centres de ski auraient besoin d'arbres au centre et à la base de la montagne afin de pouvoir modeler des pistes de ski dans la montagne. Alors, arrivé à la station du lac Louise, je suis en extase totale et j'ai les larmes aux yeux. Je déclare aux deux dames qui nous ont accueillis dans le stationnement de luxe que cette montagne est God et qu'elles sont les goddesses. Je capote bien raide. Je ne suis pas capable de penser à
à qu'est-ce qui peut être plus supérieur à mon esprit que représentent les Alpes en Europe ou les montagnes rocheuses d'Amérique. C'est, pour un skieur, c'est le plaisir absolu, surtout quand on est très loin de ces montagnes-là. Le choc géographique qui déteint sur un choc culturel me réoriente vers une adrénaline qui serait alimentée d'une journée de paradis que je viens de rencontrer pour la toute première fois. Je comprends maintenant pourquoi les ours habitent dans les montagnes. Donc, je veux être un ours. Ou je veux habiter comme eux en plein cœur de cette majestueuse montagne. J'enfile mes habits d'hiver et mon casque de ski. Tout mon équipement est paré au lancement d'une nouvelle saison de ski lancée en si haute altitude. Alors, je clique mon ski droit, je clique mon ski gauche, fraîchement ajusté de mes mains. Pour la première fois de ma vie, je vais glisser avec des skis de haute vitesse et pour la première fois de ma vie, ce sera dans la montagne rocheuse. Le nombre de pistes de Lac Louise est limité car nous sommes en novembre et elles sont remplies d'adeptes des sports de glisse. Mais je m'en balance car je n'ai que 3 à 4 choses à quoi penser. Voici mon plan de match. Tout d'abord, de toujours sécuriser ma descente dans une perspective infinie. Comme les sauteurs de parachute, ils ont des procédés très précis avec des critères à respecter pour assurer que leur vie humaine sera toujours maintenue. Okay? C'est un peu le même principe en ski. La sécurité est la priorité. Ensuite, je dois contrôler mes 2 skis et moi-même en piste. Alors, j'ai un bolide, des skis, et j'ai un humain qui le conduit. Il faut mettre ces deux liens, ces deux termes-là en symbiose. Ensuite, ça serait accélérer en me raffolant de la plus haute vitesse possible et potentiellement réalisable au moment précis de la progression où je serai rendu dans mon développement de skieur. Vivre intensément, laisser vivre ce que je trouve plate et demeurer en vie afin de la savourer jusqu'au dernier grain de neige possible. Je suis aussi subjugué par la splendeur de tous les paysages que j'aurais observés dans l'Ouest canadien. Néanmoins, aurais-je un regret aujourd'hui? Peut-être bien. En fait, serais-je le seul humain de la planète vivant dans l'univers anglo-saxon? En Amérique, c'est anglo, c'est une science, une sphère d'influence assez bien établie. Qui a l'être humain qui aurait consciemment et volontairement oublié d'aller voir ce merveilleux château historique du lac Louise lors d'un séjour de ski à la montagne? Ce château du lac Louise est l'œuvre architecturale titanesque qui est, selon moi, l'emblème monarchique le plus prestigieux à l'extérieur du pays du Royaume-Uni. D'un jadis empire britannique et financé à 101% par le gouvernement britannique. Mais bon, pour des raisons qui m'appartiennent, patriotique, comme entre autres que je voulais m'imprégner de l'eau turquoise et non de la blancheur qui aurait été présente grâce à la neige sur le lac gelé lors de mon parcours à la fin du mois de novembre. J'aurais assurément des regrets,
Mais dans mon cœur, à ce moment-là, c'était sûr à 100% que j'allais retourner un jour skier au lac Louise. Je répète que c'était sûr et certain que je referais de nombreux voyages de ski dans les Rocheuses canadiennes et américaines. Clair, aussi clair que dans l'eau de roche des montagnes rocheuses ou que dans celle de mon île déserte du lac Brome. En conclusion, je dirais un petit mot sur le pire accident de ski que j'ai eu dans ma vie en une vingtaine d'années de sport de glisse combiné, car j'ai complètement vécu l'effet d'un carabolage. Tu sais, lorsqu'on voit une voiture ou un skieur qui crache à pleine allure, en plein milieu de la piste, il se met à revoler dans tous les sens, OK? Puis c'est ça que ça fait. Ça fait très mal, surtout pour les deux, trois premiers impacts. C'est les pires. Après ça, ça devient moins pire, mais on reste sous le choc des deux, trois premiers impacts. Le deuxième a été donné sur mon casque. Je suis tombé sur les fesses en premier. Après ça, bang, directement, la tête a frappé. Et je savais que j'avais un casque, donc je me suis dit, ça va être smooth, celui-là. Des fois, on peut faire des commotions cérébrales, même si on a un casque, là. Mais moi, j'en avais pas, là, ça, c'est sûr et certain. J'avais bien mal, mais j'avais aucun étourdissement, rien. L'apprentissage d'une expérience, de vivre un accident de ski avec des tonneaux, nous fait grandir beaucoup, car c'est à cause d'événements comme ça que les skieurs vont vraiment prendre plus soin des détails extérieurs qui pourraient affecter les conditions de glisse du skieur. Par exemple, est-ce que cette journée-là, il y a plus ou moins bonne visibilité que la veille? Est-ce que les pistes ont été travaillées par les machines ou est-ce qu'elles ont été glacées? Il faut étudier le parcours à la perfection. Et puis, ça n'a pas été si pire. Plus de peur que de mal, mais comme on dit, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Alors, en direct de Longueuil, au revoir. Et à une prochaine fois, ma chère Lac Louise.